Abidjan le 1er janvier 2014. À l'une de l'actualité, ce discours du chef de l'État qui a présenté ses vœux hier à la nation. Le président Ouattara a indiqué que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie, celle qui mène à la prospérité. En début de journal, le décryptage des principaux axes de ce discours, notamment le volet politique. Une adresse à la nation aussi empreinte de paix, une paix tant souhaitée par le peuple ivoirien. Le vœu le plus récurrent des populations en ces débuts d'année reste la consolidation de la paix et la quiétude dans le pays. Vous les entendrez dans cette édition. Et puis à l'étranger, ce pays qui, lui, s'est éloigné de la paix, plus de 30 000 personnes, en majorité des civils, ont péri en plus de 18 mois de conflits armés en Syrie, selon un bilan fourni aujourd'hui par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. Voilà pour le sommaire, il est 20h à Abidjan. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Hier, il a rassuré les Ivoiriens lors de ses vœux à la nation. Le président Ouattara a indiqué que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie, celle qui mène à la prospérité. Dans son adresse à son peuple, le président Alassane Ouattara a dépeint la situation politique marquée en 2013 par des actes de décrispation, entre autres la libération des prisonniers politiques, l'organisation du retour des réfugiés ou encore la poursuite du dialogue républicain, des actions qui seront poursuivies en 2014 pour permettre justement au pays de tourner définitivement la page de la crise et renouer avec la paix. Analyse avec Sylvie Touré. Alassane Ouattara a parlé à son peuple à la veille du nouvel an. Il a parlé le cœur plus léger que les autres années, dit-il. Certainement parce que la Côte d'Ivoire dont il rêve se dessine à ses yeux. Des signaux économiques au vert, avec des perspectives encore plus reluisantes, qui lui permettent même de déclencher le compte à rebours de l'émergence annoncé pour 2020. Cet objectif ne saurait cependant être atteint sans la paix. Le président de la République en est conscient. Alassane Ouattara, disciple de l'apôtre de paix Félix Houphouët-Boigny, embouche encore une fois la trompette de la paix pour appeler tous les Ivoiriens à l'unité. Le processus de réconciliation est un chemin de non-retour, semble-t-il dire. Alassane Ouattara ira jusqu'au bout de la course. Il s'y est déjà engagé en procédant à la libération de plusieurs prisonniers politiques. Certains de ceux encore restés en prison seront assurément libérés au cours de l'année 2014. Le chef de l'État révèle dans son discours avoir demandé à la justice d'examiner à nouveau une mesure de mise en liberté provisoire. Une bonne nouvelle qui devrait contribuer davantage à la décrispation du climat politique et ramener les sceptiques autour de la table de dialogue. Autre point abordé par le président Alassane Ouattara, la question des Ivoiriens réfugiés à l'extérieur. S'il est vrai que plus des deux tiers du contingent sont retournés au pays, il est aussi vrai qu'environ 80 000 continuent de souffrir à l'extérieur. La politique de retour volontaire se poursuivra, a promis le chef de l'État. Au total, un discours apaisant et rassurant qui démontre une évolution de la situation sur la scène politique. Un discours qui révèle aussi que les adversaires politiques sont désormais appelés frères et sœurs, qui révèle également que le débat démocratique est une nécessité et la réconciliation un impératif. Elle retient l'attention de tous, cette mesure d'augmentation de salaire des fonctionnaires annoncée par le docteur Alassane Ouattara. Avec ce déblocage et les révalorisations, l'État va rembourser plus de 137 milliards de francs CFA. Jean-Jacques Kwame Ala, lui, revient de fond en comble sur les grandes décisions de portée économique du message du président de la République à la nation. Le salaire des fonctionnaires revu à la hausse dès janvier 2014, véritable bouffée d'oxygène pour les fonctionnaires de Côte d'Ivoire dont les salaires étaient bloqués depuis 1988. La bonne nouvelle a été donnée ce mardi par le chef de l'État, Alassane Ouattara, au cours du message de nouvel an à la nation. Le gouvernement a décidé de la revalorisation des salaires et du déblocage des avancements des fonctionnaires dès janvier 2014, avec étalement des effets financiers sur 5 ans. Ainsi, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'avec ces mesures, chaque fonctionnaire verra son salaire augmenter régulièrement, améliorant ainsi son pouvoir d'achat. Avec le déblocage,
Et la revalorisation effectuée, c'est une augmentation des salaires des fonctionnaires de 137 milliards et 700 millions de francs CFA qui aura été consentie pour 2013 et 2014. Outre les fonctionnaires, les travailleurs du privé et les paysans n'ont pas été oubliés. Le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG a été revalorisé et passe de 36 607 francs à 60 000 francs CFA. Quand les paysans ont bénéficié d'un prix rémunérateur pour le cacao, 750 francs et 620 francs pour le café, campagne 2013-2014. La Côte d'Ivoire est classée selon le rapport Doing Business parmi les 10 premières nations qui enregistrent une forte croissance dans le monde. Ces performances économiques, a souligné le chef de l'État, doivent se traduire dans le quotidien des Ivoiriens, notamment les plus démunis. C'est pourquoi il a annoncé des actions pour 2014 concernant la cherté de la vie. Oui, la vie est chère. Et nombreux sont nos compatriotes qui éprouvent des difficultés à joindre les deux bouts, surtout après plus d'une décennie de crise. Le gouvernement fait donc de la lutte contre la vie chère une priorité. Nous prenons cette question à bras le corps. C'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement de renforcer la concertation avec tous les acteurs afin que des réponses concrètes soient apportées en 2014 à la situation des prix. Dans le domaine de l'infrastructure économique, le président Alassane Ouattara s'est félicité des réalisations. Il a cité les chantiers déjà livrés et en cours de finition. Il s'agit entre autres de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro, le pont Henri-Conan-Bédier, les échangeurs de la Riviera 2 et de Margory et l'autoroute Abidjan-Grand Bassam. L'emploi des jeunes, une priorité pour le chef de l'État. Malgré les difficultés rencontrées, l'objectif de créer 1 million d'emplois sur 5 ans demeure d'actualité en 2014. À cela, il faut ajouter l'accès au crédit pour les projets jeunes et l'augmentation des allocations du fonds d'appui aux femmes. La Côte d'Ivoire, pays émergent à l'horizon 2020, le chef de l'État est optimiste et invite les Ivoiriens au travail. Oui, notre pays deviendra émergent en améliorant le quotidien de chaque Ivoirien. Ce n'est pas une simple envie, mais une volonté. Et cela grâce à notre détermination au travail et à une prise de conscience collective de notre responsabilité commune. En définitive, il faut bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle et un Ivoirien nouveau dans l'union, la discipline et le travail. Le travail pour transformer la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara y croit. Déjà, des pôles économiques régionaux ont été créés. Ces pôles vont se poursuivre en 2014 avec des mesures plus incitatives au code des investissements. Dans ce domaine, les chiffres sont flatteurs. En 2013, le CPC, Centre d'études et de promotion d'investissement en Côte d'Ivoire, a enregistré la création de 2537 entreprises et pour le forum Investi en Côte d'Ivoire, prévu fin janvier 2014, 1500 entreprises sont annoncées. L'économie ivoirienne pour 2014, les clignotants sont au vert. Que 2014 soit une année positive à tout point de vue pour le pays, ses dirigeants et sa population, tel est le vœu que formule la communauté Ariste. Elle s'est réunie au temple à mission Ariste de Petit Bassam dans la commune de Port-Boué, sous la houlette du patriarche Nangui Faustin, président de l'église Ariste, Eugène Atoubé. Minuit à Abidjan, pendant que dans la commune du plateau des coups de salve déchiraient le silence de la nuit et que la population célébrait la nouvelle année sur un ton carnavalesque, ailleurs, l'atmosphère était religieuse, comme ici, au temple Mission Ariste de Petit Bassam, dans la commune de Port-Boué. À cette même heure, les fidèles de cette église initiaient leurs prières de vœux pour la Côte d'Ivoire, sa population et ses dirigeants. Des prières couplées à des supplications à Dieu. Dieu en qui nous avons confiance, en qui nous avons placé notre foi, ne nous a pas abandonnés. Il faut croire en lui, il a de valeur. Que Christ, qui est l'incarnation de Dieu, nous a enseigné
ces valeurs en ce début d'année 2014, il faut que les Ivoiriens se l'approprient, ces valeurs. Ce sont les valeurs de pardon, les valeurs d'amour, les valeurs de justice et d'équité. Le patriarche Nangui Adiako Faustin a demandé à Dieu d'étendre sur la Côte d'Ivoire toute grâce en cette année 2014 qui commence, et les hommes à choisir la voie de Dieu, à se repentir. Les fidèles de la mission Ariste de Petit Bassam, eux, ont réaffirmé leur foi, nourris de l'espérance pour une Côte d'Ivoire réconciliée, unie, prospère et où règne une paix définitive. Présent à Feur Kessédougou dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans le cadre des festivités marquant la fin de l'année 2013, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a communié avec les populations de la région. Il a eu une rencontre avec les cadres du Tchologo. Le compte-rendu de Charles Tatou. En venant à Feur Kessédougou pour les fêtes de fin d'année, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est chargé d'un message du chef de l'État, Alassane Ouattara, à ses sœurs et frères Ferquois. Cadre le mieux approprié pour livrer ce message extrêmement important, un déjeuner. Il a pu réunir un grand nombre d'élus et cadres du Tchologo. Guillaume Soro est revenu sur la réconciliation et la cohésion sociale qui doivent être plus qu'un devoir pour les populations de Feur Kessédougou afin de servir de modèle. En ma qualité de président de l'Assemblée nationale, chaque fois que je dois venir dans le Tchologo, je vais saluer le président de la République en tant qu'aîné de la région du Tchologo. Et c'est dans ce cadre que le président de la République m'a chargé de dire à la population, à l'ensemble des cadres, qu'ils doivent prêcher par l'exemple et le modèle. Ils doivent être les premiers, les plus déterminés à soutenir le président de la République, à l'accompagner dans son programme de développement pour la Côte d'Ivoire. Les cadres, eux, réaffirment leur soutien et leur engagement quant à la mission de réconciliation dans le Tchologo. Ce que nous retenons, c'est que le président de l'Assemblée nationale est vraiment déterminé à rassembler les fils et les filles de la région de Tchologo dans une dynamique de développement de la région. Et nous, nous nous sentons interpellés et nous nous inscrivons parfaitement dans sa vision d'organisation des populations. En tout cas, nous sommes déterminés à l'accompagner, à faire en sorte qu'il puisse réussir sa mission. Une parade de caravane a ponctué cette rencontre. Vous l'avez entendu en début de journal, lors de son adresse à la nation, le président de la République a aussi dressé le bilan des acquis enregistrés en 2013. Le chef de l'État a également évoqué ses ambitions pour l'année nouvelle. Son discours, naturellement, suscite bien de réactions au sein de la classe politique ivoirienne. En voici quelques-unes recueillies par Broléon. Président, c'est que nous avons entendu son discours. Je vais rester positif et croire qu'il existe des gestes qui vont suivre rapidement, dans un rythme soutenu, ces paroles présidentielles. On n'attend pas autre chose que la réconciliation. On n'attend pas autre chose que la protection sociale. Quand on augmente les salaires, quand on débloque les salaires qui étaient bloqués, quand on augmente le SMIG, le pouvoir d'achat augmente. Quand on parle de couverture sociale en matière de maladie, évidemment, ça veut dire que quand on passe de la bonne santé à la maladie, on est pris en charge. C'est un discours d'espoir. Je pense que c'est un très bon discours. Et je dis qu'il faut suivre ce discours et qu'au bout du compte, que tout ce qui a été promis soit effectivement appliqué. Concernant la sécurité, c'est vrai qu'il y a eu du mieux. Il y a un net mieux, il faut le reconnaître. Ce n'est pas parce qu'on a un opposant qu'on va dire qu'il y a pas, il y a du mieux. Mais il reste encore beaucoup à faire. Je voudrais demander au président, il a commencé à s'occuper des dozos, qu'il s'en occupe encore plus, que les dozos restent dans leur ère culturelle. Et puis, sur le plan politique, il ne nous a pas dit ce qui sera fait par contre pour les partis politiques. Nous n'avons pas nos financements, nous n'avons pas notre statut. Et pourtant, dans le cadre du CPD, nous en avons discuté. Les décisions ont été arrêtées dans le cadre du CPD avec le gouvernement. Mais il y a une fenêtre qui est ouverte. Il a dit que le dialogue se poursuit. Nous espérons. Quand il dit reprendre, parce que pour nous, ce dialogue n'était pas rompu, parce que nous sommes membres du CPD,
mais il y a eu une accalmie lorsqu'il s'agit de reprendre. Ça veut dire donc que ça va être repris avec force et vigueur. Et ça, nous, cela nous satisfait. Il faut que la CEI soit revue. Il y a longtemps, avant les élections même des législatives et municipales, nous avions demandé que cela soit fait. Ça n'a pas été fait. Bon, maintenant, il vaut mieux tard que jamais. Dans un autre registre, on se rend à Zaguier, où les communautés halogènes et autochtones ont profité de cette fin d'année pour parler de réconciliation et de paix dans la cité de la banane. Gabriel Zani. Les représentants des communautés halogènes et autochtones se sont donné rendez-vous chez le député d'Azaguier, Bamba Mamadou, pour parler de réconciliation et de paix dans la cité de la banane. Il s'agissait pour les représentants des communautés de faire le bilan de leurs activités, de la gestion des conflits auxquels ils sont confrontés et de trouver des solutions pour la cohésion sociale dans la région. Le représentant de la communauté Abbé, Abolé Guillaume, tout comme le chef du Grand Nord d'Azaguier, ont remercié le député pour avoir organisé une telle rencontre en cette fin d'année. Le député de la circonscription a pour sa part remercié les uns et les autres pour la paix cultivée entre elles, avant de leur souhaiter bonne et heureuse année 2014. Le député Bamba Mamadou a visité certaines familles et le centre de santé pour encourager le personnel à la tâche le jour du Nouvel An. Ce 1er janvier 2014, c'est la fête dans tous les quartiers d'Abidjan. Toutes les familles veulent s'offrir un poulet pour la fête du Nouvel An. Sur le marché, les poulets de chair et les pondeuses sont devenus des denrées rares. Les clients retardataires ont eu peu de chances pour les avoir. Certains se sont rabattus sur la pintade, enrichir leur victuaille, doigts des lasers. Caisse totalement vidée. Seuls les poulets dits africains et les pintades échappent au couteau de la fête du Nouvel An. Les poulets de chair et les pondeuses se font rares sur le marché. À Williamsville, dans la commune d'Adjamé, il faut se lever tôt le matin pour s'offrir un poulet le premier jour de l'année. Je fais à Bobo, ça c'est le marché de Williamsville. Je suis allé jusqu'à derrière le pont à Adjamé encore. Je n'ai pas eu de poulet. Donc, je vais me chercher une pintade pour aller bouffer. Je n'ai pas trouvé de poulet. Je rentre à la maison. Je suis découragée. On va fêter, mais on ne va pas bien manger. Je suis rentré ce matin, le temps de me laver, me préparer, tout. Il n'y a plus de poulet. Dieu merci, le monsieur généreux à côté, il a vraiment donné les trois poulets. C'est la joie de la famille. Bonne affaire pour les vendeurs de poulets qui se frottent déjà les mains. La fête de Noël, on a vendu. En Saint-Sylvestre aussi, on a vendu. Mais si tu vends un coup tes poulets comme ça, il y a certains clients qui vont venir se plaindre. Donc on va en fonction de nos clients pour que tous les clients puissent être satisfaits. Aujourd'hui, ça a bien marché. Il faut débourser entre 3 500 et 4 000 francs CFA pour s'offrir un poulet, prix exorbitant selon certains clients. Un peu cher, oui. Pour l'année prochaine, on souhaite que ça soit un peu moins cher pour que tout le monde puisse en avoir et fêter dans de bonnes conditions. Malgré le prix élevé du poulet sur le marché, les clients retardataires font la queue devant les points de vente dans l'espoir de trouver une volaille pour la fête. Malgré leurs conditions de vie souvent difficiles, la population de certains quartiers dits précaires ne sont pas restés en marge de la ferveur de ce jour de fête. Nos équipes se sont rendues sur place pour vivre l'ambiance. Mamadou Kouassi. Quartier Oufo-Boigny ou encore Grand Campement, un quartier précaire de la commune de Koumassi. Ici, ce 1er janvier est un moment de joie et de réjouissance pour Grâce Adjo, à l'image de nombreux Ivoiriens. Ce nouvel an est une occasion pour elle et ses deux enfants d'oublier un temps soit peu le deuil qui les frappe depuis 8 mois. Oh Dieu, je suis très contente. Je suis pour aider de mes enfants. Même si leur père n'est pas là, je suis pour aider, on est en bonne santé. Ils n'ont pas manqué de quelque chose. Au moins, s'ils n'ont pas eu jeu, ils ont eu au moins la grâce de voir la nouvelle année arriver. Auprès de leur maman, auprès de leurs grands-parents, ça me fait plaisir. À côté, dans la famille Cissé, la situation n'est pas plus heureuse. La cuisine n'a pas ouvert ses portes depuis ce matin. La mère de famille se contente de plats d'attiqué au poisson pour nourrir ses 5 enfants en ce jour de Nouvel An. On n'a pas les moyens de payer les poulets et les trucs pour préparer. L'année est venue, on a aimé la nouvelle année, mais il n'y a pas de l'argent. La famille Cissé n'est pas la seule à vivre cette situation. Nombreux sont ces ménages qui n'attendent que le soir pour s'offrir un plat. Malgré tout, des programmes de divertissement sont élaborés. J'ai fini de préparer, fini de manger, je finis, je lave mes enfants et puis je les habille et puis ils rentrent même me coucher. Dès que j'ai fini de préparer, je me lave, je me mets au marché. Le marché, maintenant je viens, maintenant je me lave encore.
Et puis je sors maintenant avec mon camarade maintenant. Jusqu'à puis, alors que je finis maintenant, je rentre maintenant. Hier, on était au glacier. On était au glacier, les enfants, la famille. Donc aujourd'hui, on s'en rend visite aux parents, comme les collègues. D'autres aussi vont venir manger avec nous. Dans ce quartier précaire, malgré les conditions de vie difficiles, règne la cohésion et la solidarité. C'est le cas chez Darita et ses colocataires qui ont décidé de cuisiner ensemble pour offrir à leurs différentes familles des mets spéciaux en une occasion exceptionnelle. Tout comme les dirigeants que vous avez entendus en début de journal, le vœu le plus récurrent des populations en ce début d'année reste la consolidation de la paix et la quiétude dans le pays. Les Ivoiriens appellent aussi de tous leurs vœux beaucoup plus d'emplois pour les jeunes. Ils sont au micro de Mamadou Kouassi. Si l'année 2013 a été l'année du lancement de nombreux chantiers de développement, les Ivoiriens souhaitent voir cette nouvelle année 2014 la consécration de tous ces projets qui vont propulser la Côte d'Ivoire au rang des pays émergents d'ici quelques années. Mais pour les populations, le plus important, c'est la paix, le travail, le progrès et le bonheur partagé. Tout Ivoirien doté d'un bon sens, j'allais dire, ne peut que apprécier ce que le président est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi mes premiers vœux sont des vœux de paix. Parce que sans la paix, pas de développement. Le président Houphouët l'a dit. Et c'est vrai. Donc d'abord, paix à la Côte d'Ivoire. Paix entre les Ivoiriens. Bonne et heureuse année 2014 à tous les Ivoiriens, à tous les Ivoiriennes. Que la paix, le mérite et l'excellence triomphent dans notre pays. Mes pensées vont vers la population ivoirienne. Leur dit que 2014 est une année charnière pour le développement de notre pays. Que la Côte d'Ivoire retrouve sa place d'antan telle que souhaitée par le président de la République. Que nous soyons le troisième pays phare de l'Afrique au sud du Sahara. Que l'année 2014 soit une année de santé pour tous les Ivoiriens, la paix. Que nous soyons toujours dans la paix. Et que Dieu donne longue vie au président et qu'il ait la force de pouvoir faire achever tous les chantiers qu'il a entamés. Mais on voulait dire au président que vraiment, en tout cas il est au pouvoir, on est là, lui, on est avec lui. Mais vraiment les temps sont très très durs. Nos maris ne travaillent pas, nous-mêmes là, on ne travaille pas. C'est pas quoi les choses, on nos enfants au monde, on est obligé de mettre les enfants au monde. Mais ça ne va pas. Donc il n'a qu'à revoir, nous sommes dans les quartiers précaires ici, on souffre. Pour réaliser tous ces vœux, toujours selon la population ivoirienne, l'amour du prochain, la culture du pardon et la réconciliation véritable des fils et filles de la Côte d'Ivoire doivent être le quotidien de chaque habitant de la Côte d'Ivoire. On s'intéresse maintenant à la sécurité. Le ministre chargé de la Défense a visité la position des forces de l'ordre en service dans certains sites sensibles du district d'Abidjan lors de la nuit du réveillon. Paul Kofi Kofi est allé encourager les soldats et les a exhortés à plus de vigilance en ces périodes de fête. À Boussanogo. Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, dans les zones et points sensibles d'Abidjan. Une visite pour encourager les forces de l'ordre en service. De l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouy à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka, en passant par la société ivoirienne de raffinage, la commune du Plateau, le corridor de Jesco et Azito dans la commune de Yopougon, Paul Kofi Kofi a pu se rendre compte de l'efficacité du dispositif sécuritaire mis en place dans le district autonome d'Abidjan. Au niveau du site aujourd'hui, il y a un calme plat. On a pris des mesures pour la sécurisation du site. Il n'y a absolument rien à signaler. Nous sommes là pour faire en sorte que les choses prospèrent et que la paix, et surtout la sécurité, soit afin que les investisseurs viennent davantage pour la prospérité du pays. Des consignes à la vigilance et à la discipline ont été données aux forces de l'ordre pour veiller sur la sécurité des personnes et des biens. Le chef de l'État l'a dit, il a encouragé les forces de sécurité et de défense, mais en les encourageant, c'est une façon aussi de les inviter à redoubler d'efforts. Il reste encore des efforts à faire. Il y a non seulement les forces de défense qui relèvent donc de nos départements, mais il y a aussi la force de la police. Vous avez les eaux et forêts, la douane. Et donc c'est tout cet ensemble-là qui est appelé, n'est-ce pas, à se retrousser les manches pour garantir la sécurité aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes.
Pour les festivités de fin d'année 2013, les forces de l'ordre ont renforcé leur dispositif afin d'offrir aux Abidjanais des fêtes paisibles. Le message du ministre chargé de la Défense semble avoir été bien perçu. Pour contenir la marée humaine à l'occasion du réveillon dans la commune du Plateau et pour permettre à l'ensemble des Abidjanais de passer des fêtes paisibles, les forces de l'ordre ont pris toutes les dispositions utiles pour sécuriser les fêtes et de rendre fluide la circulation à Boussanogo. 7000, c'est le nombre de soldats déployés dans les rues du Plateau à l'occasion de la Saint-Sylvestre. Pour cette nuit, toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement du spectacle pyrotechnique. Toutes les 26 entrées de la commune ont été bouclées. Pour éviter l'engorgement des voies, des policiers régulent la circulation quand d'autres recommandent la discipline aux conducteurs. Ajoutez à cela la fouille des véhicules. Des patrouilles du centre de commandement des décisions opérationnelles, CCDO, et de la gendarmerie nationale sillonnent également les rues pour prévenir les risques d'attaque. Les lieux de culte n'échappent pas au contrôle des forces de l'ordre. 10 postes médicaux avancés ont été installés dans les différentes zones pour s'occuper des éventuels blessés. Des plans de circulation ont été mis en place de sorte à ce que ceux qui entrent au Plateau et ceux qui en sortent ne se rencontrent pas. Au niveau des sapeurs-pompiers militaires, 174 éléments ont été déployés pour porter secours en cas de besoin. Aucun détail n'a été négligé. Forces républicaines de Côte d'Ivoire, gendarmes, policiers, appuyés par l'ONU-SI ont réussi le pari de la sécurisation des festivités de la Saint-Sylvestre. Et les Abidjanais ont entamé la nouvelle année dans la joie et l'allégresse. Ce jour de l'an, déclaré férié, des agents de la radiodiffusion télévision ivoirienne étaient à la tâche. Ils sont restés au travail pour vous permettre de suivre vos programmes de télévision. Ils ont reçu la visite du directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko. Le point avec Broléon. 1er janvier, jour férié, chômé et payé. Ce n'est pas le repos pour les agents de la RTI, radiodiffusion télévision ivoirienne. Journalistes, techniciens, maquilleuses, machinistes, bref, tous les intervenants de la marche des programmes de la télévision sont à leur poste. Nous sommes comme des soldats, hein. Tous les jours que Dieu fait, nous sommes toujours prêts à être sur le terrain. Aujourd'hui, on va essayer de mettre le paquet vraiment pour donner les informations dans une ambiance de fête, quoi. Après le travail, je retrouve ma famille. Et je reçois certaines personnes. Assurer la continuité des programmes, raison de l'acharnement des travailleurs de la télévision ce jour de fête. Leur abnégation mérite encouragement et le directeur général Amadou Bakayoko le sait bien. L'antenne ne pourrait pas rester là à satisfaire des millions d'Ivoiriens si ces agents-là ne faisaient pas l'effort d'être là, y compris ce jour qui est important parce que c'est le premier jour de l'année. Donc vraiment c'est du courage et je les remercie pour tous les efforts qu'ils font. Cette visite, aussi une occasion pour le directeur général d'adresser ses vœux de nouvel an aux agents de la RTI et de leur expliquer sa vision managériale pour 2014. En 2014, nous essaierons de suivre dans la mesure de nos moyens l'impulsion donnée par le chef de l'État vis-à-vis des fonctionnaires dans notre structure qu'est la RTI. Bonne nouvelle pour les agents qui disent être honorés par la solidarité que leur manifeste la hiérarchie de la RTI. Le directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne, accompagné d'une délégation, s'est aussi rendu au centre émetteur d'Abobo, une visite aux agents en poste dans ce secteur sensible pour les encourager et leur présenter les vœux de toute la direction de la RTI. Guy Roger Nguessan, Laetitia Manglet. En ce jour de fête, ils sont bien loin de leur famille. Ces agents du centre émetteur d'Abobo sont à pied d'œuvre pour une réception en temps réel des programmes de la RTI par auditeurs et téléspectateurs du district d'Abidjan et environ. Pour ces techniciens, pas de repos. Une assiduité qu'est venue saluer et encourager Yeo Adama, directeur général adjoint de la RTI, accompagné de ses collaborateurs. Salles d'observation, salles des émetteurs et autres installations sont passées en revue par la délégation pour s'imprégner de la qualité des équipements et aussi des conditions de travail des agents. Nous voulons vous apporter le soutien de toute la direction et donc vous donner aussi les messages du DG de la RTI, les messages d'encouragement, le message surtout de cohésion et d'entente. 2013, je pense, en tout cas, personnellement, on a fait un beau travail. Et donc, on tient une fois de plus à vous féliciter et vous dire surtout les meilleurs vœux. Et bonne année vraiment à tout le monde.
Pour Ira Bernard, chef de ce centre émetteur, c'est une source de motivation de recevoir les encouragements et les vœux de la hiérarchie. Nous travaillons en parfaite harmonie ici. Donc sincèrement, votre visite nous rend vraiment joyeux. Donc nous vous remercions. Profitant de l'occasion, les agents n'ont pas hésité à égrener leur chapelet de doléances. Le clou de cette visite, un geste à l'endroit des agents du centre émetteur d'Abobo, de la part des visiteurs du premier jour de l'an. Et là, vous venez de voir donc le directeur général adjoint de la RTI qui s'est rendu au centre émetteur d'Abobo. On s'y rend maintenant à la radio où animateurs, journalistes et personnel administratif ont répondu à l'appel des populations ce matin. Ils ont reçu la visite d'autres responsables de la RTI, le compte-rendu de Gabriel Zani. Loin de leur famille et des repas somptueux des fêtes, certains agents de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI étaient ce 1er janvier au travail. Ce sont les exigences du métier. Ce matin, ceux de la radio ont reçu la visite d'une délégation mandatée par Amadou Bakayoko, le directeur général de la RTI. La délégation conduite par Denis Mexan, le conseiller spécial du directeur général, a exprimé les encouragements d'Amadou Bakayoko aux animateurs, journalistes ainsi qu'au personnel administratif. Pour Denis Mexan, cet esprit du sacrifice est louable. Des félicitations fort appréciées par les agents. Et c'est une politique de proximité, de rapprochement dont l'objectif est de mobiliser le personnel pour la nouvelle année. Plus de 30 000 personnes, en majorité des civils, ont péri en plus de 18 mois de conflits armés en Syrie, selon un bilan fourni aujourd'hui par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. D'après cette ONG basée en Grande-Bretagne, qui s'appuie sur un large réseau de militants et de médecins sur place, plus de 21 000 civils, armés et non armés, 7 322 soldats et 1 168 déserteurs sont morts dans la répression et les bombardements des forces du régime, de même que dans les combats entre soldats et rebelles. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Qu'il me plaise de vous souhaiter les vœux de bonheur, de succès et de santé en cette nouvelle année, ainsi que de réussite dans vos activités respectives. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. À demain 20h. Bonsoir.